Thank you.
Thank you.
Allez, c'est la pause. À du Rochelle, la mi-temps. Changement à la mi-temps du côté. Allez, c'est reparti ici au stade du Rochelle déjà avec cette seconde période qui commence par un changement. Avec la rentrée de Bruno Goncalves. Donc l'entrée de Bruno Goncalves qui remplace Amadi Traoré. L'option clairement offensive. Allez, supporters cristolien, on compte sur vous, 45 minutes pour pousser. Une offensive ici à Saint-Maur, donc avec le changement avec Bruno Goncalves qui prend face à Anthony avec Amadi Traoré. On est reparti ici à Dubochel donc avec cette seconde période qui démarre pour Créteil. Allez Mahop. C'est parti donc. Ce derby du 94 qui n'a pas encore décidé de son vainqueur. Intervention de Gueye. Et non, ce sera Mahamad qui relance derrière. Matoug et la petite faute. Un coup franc pour les Lusitanos. Pointard, long dégagement. Pour l'instant, ça joue mieux. Terrain, ça va être une ouverture avec Keita. Mais non, c'est contré. Encore là un bon ballon pour Arojo qui rentre dans la surface. Arojo, le centre d'Arojo, mais intervention de Pointard devant Daouda Gueye. Comme intervention de Pointard donc qui annihile cette occasion cristolienne dès la reprise de la deuxième période. Et voilà, tout de suite avec Aouré, le ballon est relancé et c'est une faute de Keita. Ça essaie de jouer vite mais l'arbitre intervient pour temporiser. Matoug derrière avec Sivé. Long ballon de Sivé jusqu'à Bruno Goncalves. Nouveau rentrant. Allez, Mahamat. Ça dégage loin et haut. Pour Bakir à la lutte avec Enzo Valentim. Ballon. Et toujours Saint-Maurien, ça rejoue avec Crowley, Crowley qui revient derrière avec Samy Matou, couverture pour Régulus, long dégagement jusqu'à Mahamat. Azrak Mahamat qui tergiverse et voit Daouda Gueye arriver comme Fury. Finalement, le ballon reste toujours sans rien, même si la pression est omniprésente avec Atela Fontinha. Et là, attention à Arojo et la faute. Carton de quelle couleur? Rouge! Rouge! Tout de suite, on joue la 49e minute et carton rouge. Azrak Mahamat sur cette faute. À l'entrée de la surface, alors qu'Alexa Arojo avait intercepté le ballon. Et oui, Eliane Douard qui estime qu'il y a Mahamat annule complètement cette occasion. Arojo, carton rouge. On sort du côté de Saint-Maur, on juge forcément que c'est sévère. On voit l'Anne-Nihachuer tout de suite, discussion avec son adjoint.
Samor va jouer le reste de cette deuxième période, donc c'est plus de 40 minutes à 10 contre 11. Et on va tout de suite procéder à un autre changement avec forcément l'entrée d'un défenseur supplémentaire. Bon, Louis Simon se présenter, se préparer. Ça change les plans de Yann Lachouer d'être à 10 contre 11. On peut y aller à la prestation avec Mahamat. Peut-être avoir l'occasion sur ce coup franc. Par contre, on va se faire en team. Peut-être une frappe puissante. C'est avec Valentim, Valentim s'est enroulé, c'est au-dessus. Toujours 0-0 et Samor est à 10. Et donc ce changement, donc avec la sortie de Samir Bakir, Samor et l'entrée de Louis Simao. Et le deuxième changement pour Samor, le gitan, c'est avec la sortie numéro 23, Mohamed Bakir Ali. Il est remplacé par le numéro 2, Tosunko Simao Louis. Option clairement tactique hein, avec la sortie de Bakir. Très contrarié, très frustré, c'est normal sur un tel derby. Et donc Sibao qui va prendre place en défense. Quintard au dégagement. Du l'aérien, tête de sec. Ça joue encore dans les airs, mais Aoré pose le ballon jusqu'à Camara. Son Camara part vite. Repris par Arojo. Ça revient jusqu'à Crollet. Aoré, Crollet. Joue un petit triangle. Cherche à faire vivre encore le ballon, voilà, avec Bruno Concalves, dos au jeu, ouverture vers Camara. Camara face à Pahop. On revient derrière jusqu'à Louis Simao, le nouveau rentrant. Avec Anthony Civet, petite ouverture. Les duels aériens. Contre le coach Mazala et Aoré, mais bon, forcément, c'est en dehors des limites du terrain. Donc, touche pour Créteil et ça revient derrière.
Avec la sortie de Attila Fontinha. Et donc là, c'est entrée de Villeneuve.
Allez, Arojo qui accélère, qui trouve Villeneuve sur le côté gauche. Villeneuve, l'ouverture de l'autre côté. Un poil trop fort, dommage. Sedagonji n'a pas pu contrôler ou s'amener ce ballon. Je crois qu'on est vraiment dans les 30 dernières minutes. Saint-Maur est à 10. Ça joue derrière, joli bois. Là, ça combine avec Villeneuve, dommage. Tarançon de Sivé qui dégage sur Aoré. Face à Sec. Petit peu bon ballon peut-être là de. Non. Trop fort. Et Moïse Mahop. Et là pour intervenir, joue avec Enzo Valentim. Villeneuve derrière. Joli bois. Attention de Manu François qui accélère. Cherche peut-être à jouer avec Frolet qui s'était proposé, mais ça sera finalement pour Bilal Camara. Bilal Camara trouve Louis Simao, le centre de Louis Simao, c'est dévié par l'op en corner. Camara au corner, peut-être la combinaison avec Louis Simao, le centre en une touche de Simao, c'était pour la tête de Manu François. Une des rares occasions de Saint-Maur en deuxième période, mais Régulus était présent. Et joli bois. Enzo Valentim. Cointard. Loin devant. Avec Crowley. Enzo et Bois. Manu François cherche à accélérer. Mais non, on revient derrière. Thierry Enzo et Bois. Jusqu'à son gardien, Hugo Cointard. Tergiverse pas, qui dégage directement. Tête de Sec. Keita. Ça combine avec Arojo. Avec Villeneuve plutôt, qui cherchait à se l'emmener. La défense de Saint-Maur veillée. Et a pu donc empêcher cette offensive pistolienne. Allez, Créteil devrait se faire violence. Hein. Ils ont l'avantage du nombre. Le faux rythme ainsi, plutôt à l'avantage de Saint-Maur. Alors qu'on voit donc Calvesca chercher à faire la différence individuellement, mais ce n'est pas passé. Et Fracourt, ce sera le contre, ce sera peut-être pour Chris Créteil. Avec un long ballon, mais non, mais Louis Simao va faire jouer tout de suite derrière, jusqu'à son gardien qui, long ballon, tête de Simao, tête de Manu François. Enzo Valentim avec. Ismaël Keita qui cherche à jouer sur Moïse Mahop, mais ils ne sont pas compris. Et voilà, on revient dans les pieds de Saint-Maur.
Et Bruno Goncalves. Petit ballon pour Manu François. Et François. On vient, non, il crochette. C'est qui cherche à jouer avec Salves. Zagonji. Polak s'est proposé qu'à jouer une touche en triangle. Samy Matoug. La frappe, c'est contré. Et maintenant jusqu'à Daouda Gueye. Daouda Gueye cherche à retrouver Ismaël Gueye, mais Samy Matoug avec tout compris. Il a pu récupérer ce ballon. Wissimao. Et Steven Crowley. On calme le jeu du côté de Saint-Maur, forcément. Le temps est précieux. Et les minutes qui s'égrènent sont un allié de poids. Alice Contros a peut-être la combinaison. Voilà avec Bruno Goncalves. Mais intervention de Clément Jolibois pour cette touche. Et un double changement du côté de Saint-Maur. Avec la sortie de Bilal Camara et l'entrée donc de Matene Diarra. Matene Diarra qui est en retour de blessure et nickel la tour. Nickel Latour qui remplace Josué Auré, le meilleur buteur de Saint-Maur. Josué Auré qui restera à 4 buts ce soir. Il y a donc l'opportunité à Daouda Gueye de reprendre la tête et les commandes seul. Classement des buteurs. Auré n'avait pas vu. L'arbitre demande à. Ouais, c'est. Sortir donc la rentrée de Mickaël Latour. Mickaël Latour, voilà, petite histoire, qui avait été donc le dernier buteur de Saint-Maur ici du Vauchel. Il y a 3 saisons de cela, quand Créteil était redescendu en National 2. À l'époque coaché par Carlos Secretario, et il y avait eu un match nul ici, un partout, entre l'US Créteil et l'Ustanos et l'Ustanos de Saint-Maur. Le but de Créteil était marqué par Gendré. Et donc Mickaël Latour avait égalisé à cette époque-là. C'était Créteil qui était monté en national, qui avait donc fait 2 saisons au-dessus. Et le jeu a repris. Avec Mahop qui trouve son capitaine, Alexa Rojo, derrière Enzo Valentim. Et Villeneuve, Jérémy Villeneuve, combine avec Arojo. Tout voilà, on soutient, ça combine bien, tout de suite et 1-2 avec Ismaël Keïta. C'était l'idée, l'intervention de Saint-Maur, et c'est une trouée. Peut-être là, voilà un carton pour Jérémy Villeneuve. Ah oui, qui dit que c'est l'une de ses premières fautes, mais l'arbitre forcément. On a décidé autrement. Et coup franc. Avec Louis Simon. On cherche à faire une longue transversale sur la tête de Manu François. Attention de Samy Matoug. Bruno Goncalves qui cherche à contrôler, qui joue avec Manu François. Mais récupération du ballon. On revient à Créteil avec Mahop, ça combine dans l'axe avec. Ah, ils se sont pas compris, télescope même entre coéquipiers. Et là, on cherche à jouer sur Matene Diarra, côté de Saint-Maur, mais c'est une touche. Ah, faut mettre plus de rythme, ce Créteil, si on veut emballer cette rencontre. Allez, on retrouve Araujo. Qui revient, voilà, qui.
Jusqu'à Ibrahim Asek. Sec. Là, ça combine, voilà, ça trouve le ballon. Peut-être intervention, non. C'est Sivé. On pêche avec Ibrahim Asek. Peut-être l'ouverture, voilà, sur Mahop. Avec Arojo plutôt. Arojo combine avec Gay. Et ça dégage. On va jusqu'à Gonçalves qui profite, voilà, qui joue son jeu. Deux au but avec Manu François. Il cherche à la jouer avec la vitesse de Gonçalves. La Gonçalves qui a voulu ouvrir de l'extérieur. C'était pour la tour. Mais dommage, le ballon est plus que long. Puisque ça sera un 6 mètres pour Erwan Legulus. Legulus avec donc Ismaël Keïta. Il faudra faire attention à ses contre-attaques du côté de Saint-Maur. On peut le dire, hein. Ça sent la frite du côté de Créteil ici là. Très bien le commentateur, on a bien l'odeur. Et voilà, petite tête, c'était Lucie Mao pour son gardien. Allez, on joue vite avec Thierry Joliebois, Samy Matou qui accélère, peut-être le long ballon dans le dos de Joliebois, c'est pour Bruno Gonçalves. Gonçalves, peut-être la différence, c'était pour la tour, mais intervention précieuse d'Enzo Valentim qui de la tête. On voit le ballon en corner. Ah oui, dans son dos, il y avait Mickaël Latour. Donc Gonçalves avait tout vu et avait pu lui donner ce petit ballon, mais Enzo Valentim, on sent l'expérience quand même de l'ancien capitaine de la réserve du Stade de Reims, qui est précieuse dans ces moments-là. Donc ce sera un corner. Frappé. Emmanuel François fort sur Régulus qui a dû intervenir pour couper ce ballon. Et intervention de Crowley qui continue à mettre la pression sur la défense cristolienne. Ce petit ballon de Steven Crowley, c'était pour Mickaël Latour. Voilà. Les relances approximatives, ça profite encore à Saint-Maur avec Manu François. François qui fasse 1 et 2, mais non, c'est qui était là. Contré toujours pour Gonçalves. Bruno Gonçalves. Manu François. On vient derrière avec Samy Matouille. Ouverture, c'est pour Mickaël Latour, mais Mahop intervient. Meilleur jeu de Mickaël Latour. Attention, peut-être l'occasion avec Daouda Gueye, il y a la frappe et l'arrêt. Hugo Pointard. Il a lui fait emballer ce match du côté de Créteil, sinon le rythme est clairement à l'avantage de Saint-Maur. Stéphane Mazala, voilà, on va peut-être injecter encore du 109. Ce corner peut-être joué en deux temps. Non. Là, Rojo semble se Non, finalement, ça sera Rojo qui va tirer ce corner. Contre penalty pour la tête de Sec, mais ça passe à côté. Et changement donc pour l'US Créteil. Numéro 21, donc Ismaël Keïta qui sort
Keïta. La rentrée du numéro 14, donc Zokri Djoulou. Allez, on est dans le dernier quart d'heure, bientôt même 10 minutes, parce que bon, on joue à 79e, basculer bientôt dans 10 dernières minutes de la rencontre. On compte forcément hacher au niveau du rythme, du fait de ce carton rouge dès l'entame de la deuxième période. Mickaël Latour, là, la roulette, c'était pour se sortir de la pression de Sakava et d'Arojo. C'était une touche finalement qui revient tout de suite derrière avec Enzo Valentim, loin devant. Intervention de Thierry Njoué-Bois et dégagement de Lucie Mao. Allez à la lutte, Gonsalves, mais Clément Jolibois intervient. Il redonne le ballon. Allez, on pose tout de suite, on joue devant avec un long ballon de Mao pour Seda Gondji. Ça combine, il faut que ça accélère exactement avec Villeneuve. Mais ce n'est pas précis. On dit souvent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans ces cas-là, mais bon, c'est vrai que sur cette deuxième période, ça manque de rythme, hein, ça manque de rythme. On sent que bon, forcément, c'est le jeu, hein, sa mort est à 10. Les Lusitanos veulent tempérer les ardeurs cristoliennes et profiter du moindre compte. Peut-être là, voilà, comme ça, avec Mickaël Latour qui décale. Maté Nedjara, face à Maop, Maté Nedjara cherche à passer. Et non, ben, il en faut plus, Maté Nedjara, il faut passer. Moïse Mahop qui a réussi quand même pour l'instant une très belle rencontre. Attention peut-être à l'intervention de Arojo, voilà, qui récupère, qui accélère. La vitesse d'Arojo, Alexis Arojo toujours, capitaine, pour monter le ballon. Ah dommage, c'était l'idée pour Djoulou. Mais Manu François avait tout compris, il a pu intercepter le ballon, maintenant ça fait un contre du côté de sa mort. Avec Thierry Njoué-Bois qui pousse son occasion, peut-être là. Oh là, l'intervention encore. Cette fois, c'est Jolibois, juste devant Bruno Goncalves. Encore une fois, quelle occasion. Ah, pour l'instant, les deux centraux. Le Créteil, quand même, soulage considérablement aussi ce tableau d'affichage pour l'instant. Parce qu'il y avait vraiment deux opportunités pour sa mort sur ses contres. Et belle intervention, en tout cas, de Clément Jolibois. Et non, corner pour les Lusitanos. Emmanuel François pour le tirer. Et non, Erwan Régulus, tranquille. Allez, c'est reparti avec Sec. Ah, hop. Sec toujours. Pour l'instant, là, c'est contré. Il y a toujours cette pression là de Samor qui ne veulent pas lâcher. Alors voilà, cette fois-ci, il y a de l'espace, il y a des possibilités pour Jolibois. Il faut des prises d'initiative, messieurs. Allez, on revient derrière. Sec. Allez, on joue encore. Tergiverse, c'est forcément. Les taux se referment. On a peut-être une idée là avec Arojo qui décale exactement comme il faut. Peut-être le centre en retrait au point de pénalty. Il a frappé l'arrêt de Pointa. Et la fois-ci, c'est le but. Sakava, en retrait. C'est le but pour le Sakava.
Daouda, Piei, Meilleur, il glisse et la touche sera pour. Et lui, Zitanos de Saint-Maur. Ah, c'est sûr que là, côté de Créteil, maintenant qu'on fait la course en tête, on va vouloir temporiser et profiter de la moindre occasion pour faire la différence. Alors, sur les autres terrains, il y a bien eu ce sens 1-0 du Furiani du côté à Saint-Quentin. La victoire confirmée donc de Metz 3-1 face à Reims. La réserve de Metz, donc un peu de sud sur son homologue de Reims. Pour l'instant, 3-2. Le Racing mène 3-2 face à Sainte-Geneviève. 1-0 toujours de Belfort du côté d'Agno. Donc 1-0 maintenant depuis 2 minutes entre Créteil et les Lusitanos. 2-0 des finales à Wascal. Et Colmar qui arrive pour l'instant une tête à surprise en ouvrant la marque en étant 1-0 du côté de Fleury. Alors on revient tout de suite ici à Duchel avec peut-être une occasion encore. Et non, c'est sauvé sur la ligne par Wissimao. Alors que Chulou avait réussi le coup dur à venir par San Hugo Pointard, mais Wissimao était sur la ligne et empêche Créteil d'alourdir le score à 2-0. Quel sauvetage de Wissimao! Sur hors-jeu, 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 hors-jeu. Et ce ballon pour Darojo qui plonge la tête, mais Maténé déjà avait anticipé. Peut-être un bon ballon pour Mickaël Latour, mais Erwan Régulus avait tout vu. Et peut s'allonger sur ce ballon. Allez, on relance court. Non, on temporise forcément. Cette fois-ci, le temps est ami des Cristoliens. C'est long, très long jusqu'à la tête de Gueye. Ça combine avec Djoulou. Ici, Maop qui dégage. Allez, Maop. Moïse Maop. Dans un très bon match, Moïse Maop. C'est long, il suffit de dire ça pour qu'il manque sa passe. C'est souvent comme ça, quand on complimente un joueur derrière, il manque quelque chose. Allez, ce ballon va jusqu'à Yann Lachtuer. C'est une touche pour Créteil. On est clairement dans les dernières minutes de cette rencontre. Encore 33 dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Allez, vas-y, package de 5 minutes encore. Avec les changements et tout, donc allez, 5-6 minutes encore à jouer ici à Dubochel dans ce derby du 94. Salut à tous. Anthony Civet qui est monté aux avant-postes. Cette fois-ci, le ballon récupéré par Ibrahim Asek. On joue derrière avec Johnny Bois, Enzo Valentin. Ça combine forcément avec un élément supplémentaire, c'est plus simple pour pouvoir les se démarquer. Sakava, l'ouverture, c'est pour son capitaine. Et forcément à Rojo, on n'a plus les mêmes jambes en début de rencontre. Et le ballon est dégagé. Le contré, ça sera pour Créteil. Pour Saint-Maur, Lusitanos. Et Wissimao. Wissimao loin devant. Mickaël Latour, intervention voilà, de Stéphane Crollet. Pour l'instant, peut-être une faute. Et oui, il l'a vu. Yann Douard l'a vu. Sakava, Moïse Sakava, le buteur qui se replace. Stéphane Crollet, c'est loin devant. Peut-être pour un jeu aérien. Non, le ballon intervient. Pour Créteil. Ah, il y aura du temps additionnel, on a bien vu. On va
Voilà le délégué, faire signe 4 minutes de temps additionnel. Donc la possibilité peut-être encore pour Créteil de d'alourdir la marque ou de voir les Lusitanos peut-être sur un dernier rush égalisé. Il y aura encore peut-être des occasions de part et d'autre. Allez, Thierry Joybois, ça relance vite. Samy Matoug cherche à jouer long. Ça va pouvoir peut-être Matene Diarra, si le contrôle est bon. Matene Diarra, le contrôle est bon justement. Le centre de Matene Diarra au deuxième poteau, mais il n'y a personne, si ce n'est Seda Ganji qui peut passer alors, en touche. Là, ça jouait vite. Joybois. Bruno Gonçalves. Faute, on revient à la faute. Et un dernier coup franc. Dernière cartouche pour Saint-Maur. Égalisé. On entend les tribunes. Ça. Supporter annoncé déjà que c'est fini. Il y a du temps additionnel. Il y en a 4 minutes, messieurs, dames. Donc, un peu de patience. Allez, Steven Crowley, c'est joué long, c'est joué, mais c'est boxé par Erwan Agulus jusqu'à Crowley. Crowley qui continue, qui recentre, mais c'est dégagé encore par défense cristolienne. Intervention, et non, le ballon sera toujours pour Saint-Maur. Et Matou qui fait la touche, qui s'exécute avec Mussimaon. Il cherche à trouver. Ah, peut-être là une faute, contact à deux. Carton jaune pour Arojo. C'est sûrement donc une intervention. Donc il donne un coup franc pour Saint-Maur. Sûrement donc un jaune aussi pour Enzo Valentim. Qui est au sol. Même titre que Bruno Gonçalves, alors qu'on voit que les esprits s'échauffent quelque peu sur le terrain. Donc il a ce coup franc qui va tirer. Pour l'instant ça se bouscule, ça se frotte un peu, mais non. Ce derby, c'était quand même la jaune pour Enzo Valentim. Donc, l'état d'esprit était bon jusqu'à présent. Donc, un dernier coup franc pour Saint-Maur. On sent la pression du côté de Créteil. Forcément, ça serait un premier succès à domicile cette saison après 6 journées. Forcément, la frustration serait énorme. Pour l'instant, voilà. Donc il y a ce coup franc. À l'entrée de la surface, un peu décalé à droite. La combinaison va être faite. On voit Samy Matoug qui pose le ballon. Yassi, Boncalves, Steven Crowley. Les grands sont montés du côté de Saint-Maur. On voit Anthony Civet, on voit Thierry Njoyboa. Alors c'est soit court, attention. Ah oui. Léon Douard doit faire la police hein, vraiment pour ce dernier coup franc, sûrement l'un des derniers de la partie. Avec Samy Matoug. Il glisse, c'est contré par le mur. Et Alexis Arojo qui ne tergiverse pas et qui dégage loin, très loin le ballon. C'est une touche pour Saint-Maur. Ah, il reste vraiment quelques secondes hein, pour à la fin de ce derby du 94. Allez, Mussimaon pour une touche longue. Il y a ses coéquipiers d'aller dans la surface. C'est parti. Longue touche. Dévié par Civet. Sec. Et un corner encore. Ah, ça en devient irrespirable en tout cas. Stéphane Mazzala là, on peut plus, qui attend vraiment ce coup de sifflet libérateur, ce coup de sifflet final. Le dernier corner, tête de la partie, donc Emmanuel François pour le tirer. Alors on donne de la voix, ah, même Hugo Cointard semble aller apporter donc le surnombre. Gardien de Saint-Maur. On va
voir Upataka vraiment aussi au bord de terrain attendre ce coup de sifflet final. Le dernier corner de la partie. La dernière occasion, la dernière cartouche pour Saint-Maur. Et Manu François. C'est tiré. C'est boxé par Gus. Gonsalves. Gonsalves toujours, le centre de Gonsalves. Dévié, et c'est pour Régulus. Elle est là, la libération, le ballon au chaud dans les gants d'Erwan Régulus. Les Lusitanos ont essayé peut-être filer les dernières cartouches, les dernières tentatives, les dernières occasions pour revenir au score. Bon, Régulus remonte tranquillement le ballon, il gagne du temps, il gagne des précieuses minutes. L'arbitre a laissé à la bouche, c'est la fin. C'est terminé, 1-0 pour l'US Créteil, ici, la première victoire à domicile de l'équipe pistolienne, de l'équipe de Stéphane Mazala.